J'aimerais là dossier libération ancien sénateur Guy Philippe là bah la compliqué. Li compliqué pour Guy Philippe parce que nous tout connaît Guy Philippe qui a annoncé 7 septembre qu'a venu là que c'est demain si je veux là pour entrer dans le pays d'Haïti immédiatement li fin libéré. J'aimerais là Guy Philippe pas entrer dans le pays d'Haïti. Non, moi on parler là bien pile boycotté. L'État haïtien, ouais, si Guy Philippe entre dans le pays, il y a des mosaïques à péter. Parce que, il connaît force Guy Philippe. Oui, demain, si tu veux Guy Philippe a libéré, il a sorti dans la prison à cause de l'infini pugé peine. Mais ça fait pour entrer dans le pays d'Haïti, il y a un peu de clé. C'est vrai, il y a un billet d'avion qui a acheté déjà. Tout le monde a préparé pour Guy Philippe. Mais, le passeport Guy Philippe, bloqué, li poko rive nan mel. Et avocat Guy Philippe écrit gouvernement pays d'Haïti Ariel Henry pour bay Guy Philippe passeport, yo poko répond avocat. Ça veut dire là si passeport pas arrivé nan men Guy Philippe, li pa ka entrer dans pays ya. Oui, li pa ka entrer. Parce que faut que li joigne toute pièce li pour l'entrer dans pays d'Haïti. Immigration pour qu'on baille l'ordre pour remettre avocat Guy Philippe passeport immédiatement libéré pour l'entrée dans le pays d'Haïti. Nous connaissons pile moun qui a prétendu retour Guy Philippe dans le pays d'Haïti. Mais pour moi parler là, on est pour qu'on dit est-ce que Guy Philippe a porté dans le pays d'Haïti? On a entendu avocat Guy Philippe qui a parlé. Cap dit nous, cap nous plus de détails sous affaire passeport Guy Philippe, immigration avec gouvernement Ariel Henry, yo poko bay lord pour joindre passeport ancien sénateur Guy Philippe. Nous avons responsabilité de nous dire avec le retour du sénateur Guy Philippe, nous allons garantir la commencer un changement. PM Ariel Henry, s'il vous plaît, nous demandons bah nous passeport sénateur là, ou bien bah nous hors de là, ou nous entrer dans le pays nous, ou nous venir continuer la bataille. Et PM Ariel, qui est ministre intérieur AI, nous t'a écrit directeur immigration, nous t'a écrit ambassadeur haïtien à Washington, nous t'a écrit consul haïtien, ou nous t'a bah nous soit passeport sénateur là, ou bien yo bah nous hors de route pour permettre sénateur à venir la calme. Mais jusqu'à date, tout bagage préparé. Ticket payé, mobilisation préparée, jusqu'à cette présente minute, PM Ariel n'a jamais délivré nous, ni passeport là, ni autre de route là, qui a permis au sénateur Guy Philippe d'entrer dans le pays, je que la loi permet ça. Je ne vais pas laisser avec le sénateur de Monsieur Gambo. Jusqu'à présent, 4-7 là nous sommes. Parce que, pour qu'il y ait des dernières heures qui viennent, nous décidons de nous hors de route là, ou bien décider de nous passeport. Mais dans le cas contre, on ne va pas nous passeport là. Entre demain, il n'est pas possible. Mais nous profitons tout. Nous profitons dès demain pour nous chita avec la communauté haïtienne qui est dans la diaspora. Pour nous expliquer le travail que nous avons faire en Haïti. Parce que je dis là, l'insécurité qui est là, son insécurité programmée. Son insécurité que nous. Pour qui ça nous est, le Niger prend responsabilité. Pour qui ça nous a Burkina Faso pour responsabilité, pour qui ça Mali pour responsabilité, et nous autres haïtiens, est-ce que nous chita toujours en bas Occident? Eh bien c'est ça. Nous devons comprendre que la bataille ça qui va venir mener là, c'est une bataille qui va mener non seulement contre l'Occident, et contre l'insécurité programmée ça, que nous devons mettre dans le pays, qui fait là, nous libres, et jusqu'à présent nous devons entrer dans le pays nous, nous devons quitter le passeport, nous devons quitter le pays pour entrer dans le pays nous. Toutes ces batailles, ça n'est pas peur. Et tôt ou tard, Haïti a libéré. C'est pas une bataille, Guy Philippe. C'est une bataille, nous-mêmes. Ou même, c'est nous tous ensemble qui avons mis ensemble. Je disais ça qui passe au Niger là. Où est que CDAO te dit avoir intervenu au Niger? Qui ça nous est? Peuple nigérien, quand nous sommes même nous déjà là. Parce que, j'en la France avec l'Occident à piller pays, nous estimons que. Ça que la France a fait, c'est là pour mettre les esclaves, le destin prédestiné en main. Et bien, je dis, nous autres haïtiens, et me dis clairement,
Nous n'avons pas besoin de pile policiers, non? Pour nous combattre, ça qu'a fait là. Nous avons besoin de 600 policiers qui sont conscients de la situation pays. Qui est conscient que, en nous regardant la situation, nous avons fait. Nous avons fait. Je dis à tout le monde qui quitte la caillou à cause de l'insécurité que nous avons planifié dans le pays. C'est bataille ça que nous autres, nous avons pas venir faire dans le pays là pour nous délivrer le pays, même avec le Niger. Écoute ceci, nous avons l'armée embryonnaire. Nous avons l'armée mal équipée. Nous avons l'armée fantoche. Nous avons l'armée qui sous contre Occident. Comment vous comprenez que à quelques mètres de palais national, à quelques mètres de grand quartier général, et puis nous disons que du feu dans le monde. Est-ce que nous connaissons du feu dans le grand écrivain? Est-ce que nous avons droit jumé au palais? Côté dame du responsable fondation GPT Claire, Mario Langille. Côté nek responsable RNDDH, Champion Espérance. Est-ce que j'aime donner au palais? Je dis que vous sentez confortable parce que vous avez fait un travail pour l'Occident. C'est ça, il n'y a pas de barbecue. Un bon exemple, Jimmy Cherizier. Au 16e promotion. C'est un policier qui est toujours prêt pour le bataille. Il a fait une intervention au niveau de la ville. Malgré que des policiers tombés, nous voyons que RNDDH avec Fondation GPT éclairé, qui fait un rapport contre Jimmy Cherizier. Il a transformé Jimmy Cherizier en barbecue. Je dis c'est ça que nous avons là. C'est même RNDDH ça. C'est même Fondation GPT éclairé ça. Qui va nous tirer la pluie. Qui va nous ISO. Qui va nous vider l'homme. Et t'en veux qu'on dans le pays. Donc, moi que le commissaire gouvernement fait une erreur, on a évité Louko. Pourquoi ils ont évité Louko? Parce qu'il a une vérité. Est-ce que ça sous incitation à la violence? Le fait que les dit aujourd'hui là, vous va gagner une cocotte dans la rue. Tout le monde a eu un bandit. Je dis au bandit, je ne peux plus recruter que la police. Je recrute plus de monde que la police. La majorité des jeunes garçons qui devaient dans le ghetto, ils choisissent avec des armes. Mais si c'est nous, même Bois-Calé, qui a commencé à continuer, on va t'apprendre ça encore. Et mon responsabilité, je vous dis, avec le retour du sénateur Guy Philippe, on va nous garantir qu'on va commencer un changement. Vous comprenez que le sénateur n'a pas de bout dans le pays, il y a le PM à l'air, le groupe d'identité, ça fait la cause. Écoute, nous-mêmes, en tant que légalistes, nous faisons ça la loi dit nous faire. Nous t'ai écrit ministère intérieur, nous écrit immigration, nous écrit ambassadeur haïtien aux États-Unis. Jusqu'à date, nous ne pouvons pas pour qui raison qui fait que nous allons délivrer nous, ni passeport, ni autre pour entrer dans le pays nous. Dans ce pays, nous avons entré. Pour qui ça que je dis là, il y a un empêchement. Là, gros problème. Parce que, d'après là, il dit, est-ce que nous connaissons le pire gros tour dans le pays là? Pas de papier toilette dans le magasin pour la caillou. Oh, nous avons dit non, mais on connaît. Nous avons tellement utilisé le papier toilette dans le jour ça là, parce que le sénateur a montré, presque le magasin n'a pas de papier toilette là-dedans. Donc c'est pour nous des autres qui vient nous dire, PM Ariel Henry, s'il vous plaît, nous demandons, bah nous, passeport sénateur là, ou bien bah nous, hors de là, ou nous entrer dans le pays nous, ou nous venir continuer la bataille là. Est-ce que sénateur du Philippe lui-même, est-ce que l'idée est à l'échelle nationale? C'est parce que sénateur est libre qui fait que nous demandons hors de route là. Et demain, à Pennsylvanie, donc pile média cap là, parce que officiellement, dès 10h du matin, donc pile média cap à Pennsylvanie, t'as donné sorti sénateur du fil. Et demain, que la taille de conférence de presse avec journalistes internationaux, et d'autant plus, la pour rencontrer la communauté haïtienne qui vient aux États-Unis. Et 10h du matin, officiellement, sénateur Guy Philippe a libre et prêt pour le tourner dans le pays. Si que l'État haïtien jusqu'à date, nous délivrer le passeport ou bien hors de route là, 2004h, dans l'après-midi, sénateur Guy Philippe a supposé le pays. Écoute, on a utilisé toutes les voies légales qui sont tracées par la loi. Pour nous jouer une autre de nous jouer une passeport. Parce que ce n'est pas en faveur.
C'est un droit que vous avez en tant qu'haïtien pour gagner un passeport. C'est un droit que vous avez en tant qu'haïtien à défaut de passeport pour gagner un ordre de pas oublier. C'est la difficulté de mettre technique au DDA. Pas oublier. C'est l'État haïtien, c'est même l'État fait ouais, ça. L'État corrompu ça. Qui déprend sénateur Guy Philippe, nous déportons lui. Et puis, oh, en violation, en spéculation, une constitution. Nous avons déporté sénateur. Mais je dis là, je ne suis pas capable de supplier l'État haïtien ça. Pour nous mettre un passeport, ou bien un autre pour entrer dans le pays. En parlant de Guy Philippe, il y a un monde qui a fait quoi et la posé à le fichier de par rapport à ça qui était posé comme quoi et polarisé comme ça au niveau des choses ou des cailles. Et Mariel, sentir qu'elle va supporter. Il va prendre profession ça. Il va prendre profession, lui autoriser sénateur à entrer dans le pays immédiatement libéré. C'est-à-dire que jusqu'à date, demain, si Dieu veut, sénateur qui entre dans le pays. Donc, nous pouvons parler ensemble avec le sénateur. Nous connaissons demain à qui le sénateur a entré dans le pays. Parce que la bataille, ça a mené là, monsieur. Nous ne pouvons pas mener une bataille contre les Haïtiens, non. Nous avons mené une bataille contre l'Occident. Je dis, il faut Haïti libéré. Il faut que les Haïtiens qui veulent descendre dans le pays pour dire faut Haïti libéré. Même avec le Niger, même avec le Burkina Faso. Et le sénateur m'a dit nous ça. Je t'ai arrêté le Nelson Mandela, la beauté de Nelson Mandela. Jusqu'à présent, là, nous avons été confiants sur la beauté de M. Van de pays d'Haïti. C'est l'information que je dis là. Son j'aime bien tout. Nous autres, nous avons la loi comme boussole. En tant qu'esclave, la loi, c'est la loi qui trace et qui dit voilà, voilà, mais qui procédure pour nous suivre. Donc nous disons bataille nous tapons, il y a pendant 6 ans. Deux mouns qui va être cruel. Deux mouns jusqu'à présent, après le 6 ans, il y a violé. Et qui est-ce qui commence marron tout? Avant de dire tout ça, qui est-ce qui commence marron? Et ça fait un petit tout le monde. Tout le monde est cité solaire. Cafoufred, Karadeux, Matisse, tout le monde est différent qui était Kayo. N'a pas eu rendez-vous devant l'aéroport international là pour recevoir sénateur Guy parce que il y a un complot la cap marine là pour assassiner sénateur et c'est bien compté mal calculé même Jean Edmire a planifié forcément qui a assassiné Jovenel Moïse il a planifié parce que quand pile nègre aujourd'hui là qui a assassiné Jovenel Moïse mais c'est vrai j'ai pas osé maintenant nous donner des rapports là. Et nous parlons avec tout sénateur Guy Philippe qui travaille, qui peut le faire. Ce soit des CPJ fermés ou bien des CPJ faire un travail. Parce que le travail des CPJ, il doit faire un travail impeccable. Il va devoir faire un travail, il dit rappeler pour nous groupes, il va faire pour nous groupes. Il faut que tout le monde aille en prison. Merci. Pour parler des gens qui commencent marron, les gens qui ont été coupés de l'arrestation en ce sénateur. Je ne vais pas parler de l'arrestation. Pour parler d'arrestation, il faut être légal. Non, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont. Pour parler d'arrestation, il faut être légal. C'est le même kidnapping. Ça, bon, nous disons, je ne vais pas dire que nous avons ça. Parce que y en a qui en fonction, bon, je ne vais pas dire ça. Automatiquement, sénateur, si nous regardons l'article 95, nous allons peser sur lui. Si on allons lire bien, qui Philippe qui a l'immunité parlementaire, oui. Effectivement. Il y en a qui ont l'immunité parlementaire. Pour déporter, pour parler d'arrestation. Et article 276 constitution nucléaire, il dit Haïti pas qu'à ratifier aucun accord, aucun traité, aucune convention qui a placé en dessous de la constitution. C'est une forme de journaliste qui veut que notre constitution dans ce tableau mère soit placée en dessous de tous les traités, accords, conventions et autres. En parlant de ça, et pour nous capables de confirmer ou bien protéger avec son dia, je dis à la loi de CPJ lui-même, faire connaître les gens qui ont le pouvoir par rapport avec l'immunité ou pas qu'à mettre dans le rapport de CPJ, par rapport avec l'assassinat de CPJ Jovenel Moïse. Et je dis à la loi de CPJ arrêté Guy Philippe lui-même par rapport avec l'immunité qui vient dans le Parlement. Écoute, songez bien tout. Occident, de vous pas travailler pour lui, la travail à tout prix pour l'éliminer. Et je dis nous ça clairement. Où est le travail, sénateur Guy, pour aller vers eux? Je vais nous garantir ça. Occident va jouer pieds aimés pour lui empêcher le sénateur de faire travail. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Haïti, là, aujourd'hui, là, c'est réservé au monde lié en matière d'eau potable. Vous voyez comme ça? C'est réservé au monde en matière d'eau potable. Donc, il y a besoin de ça. Mais il y a besoin des gouvernements vers eux. Il y a besoin des politiciens vers eux.
pour faciliter eux, jouer ça au besoin. Pendant ce temps, nous toujours pour la misère, nous toujours dans le grand goût, nous toujours dans la souffrance, nous toujours dans le chômage. Donc, nous n'avons pas voulu voir le monde. Quand qui est le frère, puis nous, mais pour mes frères, pour mettre là, pour mériter la mort, c'est pour ça que nous avons compris. C'est pour l'une des raisons, nous autres. Non seulement, nous disons que nous sommes sénateurs, et comme nous avons des rumeurs qui ont circulé, prétexte que les DCBJ qui ont été sénateurs, moi-même, nous avons déjà parlé de ça. Nous sommes gardés et nous sommes tendés, avocat Guy Philippe qui t'a parlé dans le micro-journaliste. Monsieur, il est bien bas pour demander une chance. Pour quitter Guy Philippe, entrer dans le pays. Pour venir continuer la bataille contre les oligarques. Une bataille contre les blancs qui ont mis Haïti en otage. Il a demandé à Ariel Henry une chance pour le bail passeport. Durant cette journée, pour Guy Philippe qui a été dans une pièce. Débessé pour entrer dans le pays d'Haïti. Gen pil militant, gen pil moun gradas, Captain Guy Philippe pour entrer dans le pays pour venir continuer la bataille. Et nous avons dit Guy Philippe qui dit comme ça, gen met parce que lui-même, bataille était pour mettre moun fanatique li yo, moun qui te vote li yo, li pas de en fait. Moun gradas, li dit, retenez la vini, bataille a continuer. Elle était par rendez-vous ça qui est cassé 7 septembre qui a venu là qui s'est démissionné pour Guy Philippe entrer et entrer Guy Philippe là pour qu'on finisse clair dit tout à cause faut que Guy Philippe vienne passeport lui c'est raison ça avocat écrit immigration lui écrit PM Ariel Henry pour bail autorisation pour bail laisser passer pour Guy Philippe qui a entré venir continuer bataille il t'a mené bataille contre oligarque corrompu, bataille contre blanc manan yo, bataille contre Amérique, Canada, la France qui kembe pays en otage. C'est bataille ça. Guy Philippe a venu mener selon avocat Guy Philippe. Avocat ancien sénateur Guy Philippe là, il fait connait bataille Guy Philippe pral mener là, il pas besoin pile policier la donne. Il a besoin 500 policiers. Parce que bataille ça, son bataille pour délivrer le pays. Et nous connaissons force Guy Philippe, qui pile, nègre, l'armée d'Haïti, capitaine Guy Philippe, tout oui. Pas oublier nous. Et qui a pile, qui croit dans Guy Philippe, qui fait Guy Philippe plus confiance que l'ancien sénateur Maurice Jean-Charles. Raïchien dit dans le blanc. Ça, c'est vrai. Donc Guy Philippe, qui est ancien combattant, ancien militant, yon ancien, regardez dans la police là, Guy Philippe, bien plus mon capitaine ni, mais t'as semblé entrer Guy Philippe qui vient là, démissionner là, il va beaucoup clair parce que passeport Guy Philippe pour qu'on amène, que je n'ai fait entrer, pas qu'à entrer, l'a libéré c'est vrai, mais l'a prêté dans le pays États-Unis, l'a fini résoudre par le passeport ça, l'a qu'à entrer, mes amis, femmes ou bien mettre Caleb Jean-Baptiste en danger. Après, mettre Caleb Jean-Baptiste fin déposer une plainte pour Johnson Napoléon avec ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte, bandi exam, moun pa rive identifié, yo arrivé attaquer mettre mettre Caleb Jean-Baptiste. Plusieurs vite lan kay mettre Caleb Jean-Baptiste crasé. Ki impact balle la kay. Mettre Caleb Jean-Baptiste. Je rappelle que je dis ça dans l'émission que je fais déjà. Matin, quand je dis, depuis que mettre Caleb Jean-Baptiste, j'ai un dossier ça. Ça fait 400 000 dollars. Laurent Lamotte signé, voyez by Johnson Napoléon dans Azou College. Qui c'est l'argent, next sa kap gagote dans Petro Caribe. Je te dis, faut mettre Caleb Jean-Baptiste très prudent. Parce que, gagne dossier au moins dans le pays d'Haïti, l'an mort tout en face ou, mais ou même l'an mort. Gagne dossier au Allemagne là, y a tout yo, y a crabino, l'an mort trop petit pour vous. Eh bien, chose dit, chose fait. Je dis toujours nous-mêmes, je ne suis pas un prophète de malais. L'aime parler, oui, il est toujours arrivé. Bandi Aksam, attaque Kay, mettre Caleb Jean-Baptiste, toute vite qui n'a Kay, mettre Caleb Jean-Baptiste, crasé.
divers impacts balles dans Mikaïla. Et a rappelé, attaque Savini tout de suite après, yon plainte contre corruption. Yon déposé contre ancien premier ministre Laurent Salvador Lamotte avec Johnson Napoléon. C'est ça. Famille, mettre l'affaire qu'on est. Mes amis, m'de dit ça oui. Gede dossier ou allemand est là. Ou même avec Lamotte, ou a fait connaissance. Mais ou même, mais Lamotte. Parfois, l'aime parler. Nous pas c'est menti. Nous même pas j'aime parler mettez là. L'homme parler, c'est parce que me connaît qui j'ai pays d'Haïti. L'autre nous dit Haïti son pays spécial. Le pays tout est possible. Et pas menti m'a bail. Mettre Caleb Jean-Baptiste en déposer plainte. Nos affaires l'argent. Salon là me te bail. Nous sommes Napoléon et puis tu qui t'a attaqué. Rappelez-moi dit nous ça t'est arrivé, Morvan, dans le dossier ça, côté Johnson Napoléon, fait Morvan, baisse le bien, mettre la genou, pour la démenti tout ça, il t'a dit auparavant, yo, yo pas qu'à faire mettre Caleb ça, mettre Caleb c'est un avocat, professionnel, j'ai l'habitude de dire, de quoi il parle, il met bouche dans le dossier, quoi il s'ouvre, gain pile juge, qui prend au sérieux, parce que, mais Caleb Jean-Baptiste, il n'y a pas de faire buzz, il n'y a pas de faire tolé, de façon pour faire parler de lui. Mais non. L'agence a accès 400 000 dollars, 20 coupés pour eux. Laurent Lamotte, voit le bail à son collège. Et l'agence a, il n'y a pas de budget à l'État haïtien. Côté comme ça, sorti. C'est ça, oui. Mais Caleb Jean-Baptiste pose comme question. Et il t'a remis pour Johnson Napoléon, il dit, l'agence a, pour qui ça en balil? Et t'as remis la mode vin dit tout, l'agent sa la ki bidjel te ye, qui fait que ou bay à ce collège 400 000 dollars. Et m'te dit ça va rappeler. Dans le pays d'Haïti, gen dossier qui spécial, gen dossier qui sensible. Piège juge, piège avocat, pas qu'à manger dossier ça aussi non, mais ou même, mais l'ambo, ou fin manger dossier ça pour acheter ce que vous mettez là, tout get en bay ou l'église. L'argent pour chacun de monde. Parce que le dossier est tellement fragile, on ne peut pas parler de yo. Claire, le dossier n'est pas comme yo. Mais quand le Jean-Baptiste là, il finit de poser une plainte là. Et puis il s'est attendu à tout le monde, le bandit a attaqué la Kaili. Il a crasé vite la Kaili, mais Jean-Baptiste. Plusieurs impacts balles soumis, mais Jean-Baptiste. Imaginez-vous, si vous avez un Jean-Baptiste, il va tout le même jour soit ça. C'est un message clair. Yo voye ba M. Caleb Jean-Baptiste, yo dit pozo. Nan sa veze foure bouchoua sou sa kon choua la fò frèt. Et ça yo voye dire comme message. Ça ka révèle pas comprendre ni. Comme on connaît M. Caleb Jean-Baptiste pas comprendre intimidation. De vrai li foure mail nan un dossier li connaît, nan dossier li foure mail là li connaît gen l'amour kap tann ni. Mais faut qu'il fait suivi de dossier ça parce que faut gen moun ki pou pa aider li. Lui-même, li prend charge pour parler de dossier ça. Et nous connaissons, puis nous ne pouvons pas intimider M. Caleb Jean-Baptiste. Je demande pour l'État haïtien renforcer la sécurité M. Caleb Jean-Baptiste. Parce que la belle pays a un coup de main, c'est vrai. Mais renforcer la sécurité pour ne pas fini avec M. Caleb Jean-Baptiste. Nous allons rendez-vous dans la prochaine émission pour nous traiter un autre dossier. Depuis que nous avons petit, depuis que nous avons fait, on groupe moun pran Haïti, y'a crase un pays, y'a sous son pays, y'a fout moun panique, fait moun peur. Yo vann moi baron blanc, sans dossier, sans rien, sans preuve. Y'a arrêté me sans mandat, sans rien. Yo livré me baron blanc. Me fin fait temps m'a rentré dans pays, me connait m'tendé, privé, Nenel Kassi, comme l'autre là, Camille Edouard, moi qui te corrompu. Pensez que yo cap paniquer me, m'a rentré dans pays. Le pour rentrer là. Et tout moun a connait qu'il m'a rentré deux jours à l'avant. En fait, tout le monde connaît. À qui le, dans qui vole ma rentrer. Si vous voulez retourner, il y a une chance pour retourner. Parce que je ne peux pas faire bac devant vagabond qui a crasé le pays. Comment vous pouvez faire croiser les bras pour quitter vagabond qui a crasé son pays comme ça? Si vous n'avez pas à l'école, vous n'avez pas à l'église. Regardez comment une équipe innocente a marché, comme un assassiné. Parce que je pense que c'est le seul monde en Haïti qui dit que vous êtes haïtien. Au moins, il essaye, au moins, il pense. Au moins reconnaître que ça est intolérable. Si ça arrive, tout le monde va mourir. C'est parce que
l'État n'a pas pris responsabilité. La police n'a pas pris responsabilité. L'armée n'a pas pris responsabilité. La société n'a pas pris responsabilité. Alors qu'on y a là pour l'homme, je vais vous montrer dans le pays, besoin, et pour vagabond à dire, je ne vais pas rentrer, si je rentre, je vais attaquer, si je rentre, je vais tuer, et bien, il y a des chances pour tuer, parce que je vais rentrer, et je vais faire connaître qu'il est rentré. Si qu'on y a c'est pour tout le monde de bien caché pour quitter vagabond pour le pays, ou bien si le monde de bien mettre tête dehors pour dire vagabond, stop, il arrive trop loin. Moi, c'est le temps pour chaque haïtien prendre camp, pour décider ça, vous voulez faire. Ou bien accepter Haïti entrer dans le fond, pour y avoir là, ou bien nous-mêmes, nous camper comme un garçon, comme femme, pour nous dire non, ça arrive trop loin. Ça va continuer. Il y a tout, il y a assassiné. Vers quel est Je Je connais pas ici, je ne peux pas tout bagarre dans le monde tout le temps. Le arrivé pour chaque monde dans le camp. Guy Philippe qui a annoncé la couleur. Je annoncé que la retourne bientôt. Et une série de nègres qui sont paquet de vieux rats politiques qui pensaient que au cabal pression au cas intimider la retourner là dans boule figuio et le lap vini lap di yo men jou lap vini dans qui avion lap vini dans qui airport lap vini donc si yo capable y a vin empêcher l'entrée dans pays des salines. Eh hey, gros affaire bab, eh hey, gros causé. Mais avant de faire des Guy, t'as semblé que merci à toi Camille, t'en es bien. Avant de faire des Guy, moi j'ai impression, j'ai bagay qui blie. Même j'aime dans des Gracia Delva qui chante à Soumovan. Eh monsieur Pia fait là. Gonne qui vont un tira qui dit que monsieur fait il tape sous moi tout. Mais Gracia, aïe mon cher, m'a pas fou, aïe aïe. Aïe, ça me va. Moi même bon don ti bagay. C'est archive yo m'rale, oui aïe. Et Gracia Delva, ça archive yo m'rale. Si moi vann pas la archive yo, c'est choix parli. C'est yo moi m'ba nous va faire parole, non aïe. Archive yo là mettre là. Archive yo là. Là d'avant hier là, yo dou pas ka mettre pointe pour Saint-Domingue ou songe baïe. Ou gen ti bagay ou kan dan ka ou pas de cal prendre. Bagay yo là aïe. Soit baïe menton. Ou parle bay vérité, ça c'est ou même moi m'gen information. Ou charge ti bagay ki dans la kaou. Bon ti la mama oui, ou pas de cal pran raya. Ou pas de cal pran li bay sa ou. Imaginez que son rapport m'tapli. Son rapport m'tapli qui dit que selon le président de la commission de justice et de sécurité du Sénat de la République, Jean-René Senatus à l'époque, selon le directeur général de la PNH, Michel Ange Deyon, il a dit que à 98% ou gen contact avec un chef gang qui est Anel Joseph. Et de CPJ, c'est pas moi. Son le nom juge qui blanchou, Macron, de tout bail, de tout péché. C'est Haïti. C'est Haïti. Vous comprenez ça, mais da donné là, même Jacques Philippe. Bon, Guy Philippe, pour qu'on arrive, je vais vous pression. Kounya, le mal est dans l'archive, je vais vous garder un petit texte. Juno 7 t'a écrit. 16 mai 2016, quand elle dit les cailles sous tension, le commissariat de la ville des cailles a été attaqué, un agent de l'UDMO a été tué. Mais image UDMO là, monsieur a bien ensemble. Nous songez bagaille ça, et qu'on y a pile média, le nouveliste, etc. Le bilan loup, 5 morts et plusieurs blessés. Tenez bien. Dans le camp PNH, bon policier qui affecté dans UDMO, monsieur le Tisson Jean-Pierre, monsieur tué par balle. Policier Wendy d'Orléans, monsieur blessé gravement, yo transporté dans toute urgence à l'hôpital. Gen Pierre Jeannot, yo agent, administration pénitentiaire nationale, APNA, monsieur touché légèrement. Gen plusieurs autres policiers qui étaient menottés, maltraités sauvagement au commissariat. Mes amis, bureau commissaire principal là, yo saccagel, zam gros calibre, yo prend yo aller avec yo. Yo prend direction commune Pestel. Drôle de coïncidence. Ville ça c'est côté chef selon article là oui, mercenaire Guy Philippe. C'est là monsieur yé depuis des années. Et pas moins archivio là, fon li bagay yo.
M'a regardé, m'a pli un article là, article attaque armée contre le commissariat des Cayes par Yves Pierre Louis, 18 mai 2016. 3h du matin, un paquet assaillant lourdement armé yo envahi nan yon entrée militaire, yo attaqué commissariat principal là, 3e ville du pays. En Cayes. Et pas moins non, archive yo là. Ça veut dire que parallèlement bon côté assaillant yo yo te enregistré 4 morts et 3 blessés. Gen yon nan assaillant qui mouri sur place, gen 3 lotes. C'est un accident sur route là. Route qui mène qui côté? Pestel. Qui côté le mène? Pestel. Côté le mène? Pestel. Achivio là. Si nous parler, eh pas moi. C'est pas moi de râler yo. Donc gagné la police qui t'a arrêté 3 nassaren yo après incident, accident. Gen yon là dedans qui répond au nom de Rémi. Rémi Telius, hein, Telius, vous entendez? Telius, attention chef là. Monsieur dit que, monsieur dit clairement, très clairement, dans le micro journaliste, que l'été s'agit de l'ordre chef yo, Guy Philippe. Guy Philippe, nous ne pouvons pas venir battre corps, Guy Philippe. Nous ne pas venir battre corps là, non, papa. Nous ne pouvons pas venir battre corps là, non. Archive yo là, frère. Archive yo là. Il dit, si vous avez un bagage, vous, attention chef là. Ou on prend ça d'où? Monsieur Rémi Telius. Là, on prend monsieur, il indique clairement que, eh bien, c'est l'autre chef Yolte Yote vin exécuté Guy Philippe. D'après ça, il dit, mouvement ça a été visé à attaquer tout commissariat dans le pays dans l'objectif pour s'y mettre trouble, une façon pour te renverser présidence provisoire Jocelyne Privert. N'a pas rappelé que Guy Philippe, ancien commissaire police nationale d'Haïti, ancien militaire qui formait dans l'académie militaire dans Quito, dans le pays Équateur. J'étais menacé dans fin mois janvier 2016 pour le reprendre ZAM contre n'importe qui gouvernement transition qui pourra le composer uniquement avec une série de monde qui vivent Port-au-Prince seulement. Gouvernement transition, après Michel Martelly, t'es supposé composer ou bien t'es dû composer avec tout mob qui sorti dans tout département dans le pays. Donc, selon ça, Guy Philippe lui-même te suggéré. Eh bien, archivio là, mettre là. Pas un problème. On me quitte ça, oui. C'est un petit rappel me fait pour surtout les partisans de Guy. Yon ka vle manger là, oui. Jusqu'à ce que, d'ailleurs, yon te convoqué, monsieur tribunal. Monsieur te absent dans tribunal là. La vin sous dossier ça. Vous comprenez? Côté que genye bac, bureau des affaires criminelles, qui te souhaité l'arrestation de Guy Philippe Eko. Archivio là, la société. Nous pas fin, hein? Nous pas fin, hein, nous même. Archive yo de parler, oui. Anda de monsieur Guido. Qui parle, ou qui parle? Anda de Guido. Anda de Guido. Nous connaissons un petit, nous connaissons un fait. Un groupe moun pour Haïti, y a crase un pays, y a sous son pays, y a fout moun panique, fait moun peur. Yo vend moun baron blanc, sans dossier, sans rien, sans preuve. Y a arrêté moun sans mandat, sans rien. Yo livré moun baron blanc. Je fin fait temps m'a rentré dans pays moun ya m'tande privé Nenel Kassi comme l'autre là Camille Edouard on qui corrompu pensez que k'ap paniquer m'a rentré dans pays mi le pour rentrer ya et tout moun a konn ki le m'a rentré 2 jours à l'avant après tout moun konn a ki le nan ki vol m'a rentré si nèg yo vle touye m y a gen chance yo.